Amis jardiniers, bonjour et bienvenue au potager qui dit non. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de la bouillie bordelaise, hein, qui est un produit très populaire, largement employé par la plupart des jardiniers, hein, notamment au potager, mais également au verger, hein, puisqu'il s'agit d'un produit qui est un fongicide, qui a aussi une petite action bactéricide d'ailleurs. Et qui est, si je me trompe pas, employé depuis le 19e siècle. Je crois que ça a été mis au point autour des années 1880, quelque chose comme ça. Alors la bouillie bordelaise s'emploie notamment contre les champignons ou maladies cryptogamiques, hein, telles que le mildiou, la tavelure, la tache noire du rosier, pour en citer quelques-unes. Le problème que l'on rencontre avec la bouillie bordelaise, c'est que puisque c'est naturel, eh bien c'est très souvent considéré comme inoffensif par les gens qui l'emploient, qui la manipulent et qui l'épandent sur leur culture. Alors il faut dire que tout est fait à l'image de cette inscription, par exemple relevée sur une boîte de bouillie bordelaise, pour laisser le consommateur imaginer que le produit est naturel et donc inoffensif. Bien sûr que le cuivre se trouve à l'état naturel dans le sol, mais dans des concentrations bien plus faibles. Prenons le triste exemple de la rotenone. La rotenone est un insecticide naturel qui a été employé en agriculture biologique pendant des années avant qu'on admette enfin sa toxicité et qu'on le retire de la circulation, qu'on interdise son utilisation en 2011. Alors la bouillie bordelaise, c'est quoi au juste? Eh bien, il s'agit simplement de sulfate de cuivre que l'on va neutraliser avec de la chaux éteinte, hein, un hydroxyde de calcium. La bouillie bordelaise est bleue généralement, bien qu'on en trouve aujourd'hui des versions incolores également, et ça se présente souvent sous forme d'une poudre mouillable, hein, qu'on va donc diluer dans l'eau avant pulvérisation. Alors ce produit est interdit au Danemark, en Hollande, le sera probablement très bientôt en Allemagne, et en France, ça reste autorisé, notamment dans le cadre de l'agriculture biologique, en tout cas pour le moment. Alors cette autorisation peut susciter un certain désarroi, notamment au regard de la classification toxicologique dont fait l'objet la bouillie bordelaise. Lésions oculaires graves, par exemple, toxicité aiguë par inhalation, très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Il s'agit bien d'un produit phytopharmaceutique qui doit être appliqué en prenant toutes les précautions d'usage, notamment en termes d'équipement de protection individuelle. La fiche de sécurité de la bouillie bordelaise mentionne le port de gants en nitrile, deux bottes de protection certifiées, d'une combinaison de travail avec effet déperlant et de lunettes ou d'un écran facial. De plus, on ne peut pas entrer dans une zone traitée avant 24 heures. Ces aspects sécuritaires sont bien souvent négligés par des utilisateurs convaincus de l'innocuité du produit. Dans tous les cas, il est indispensable de respecter une zone non traitée variant de 20 à 50 mètres par rapport à tout point d'eau temporaire ou permanent. Il va de soi que les emballages vides doivent être acheminés vers la filière appropriée, en déchetterie par exemple. On comprendra qu'à mon avis, l'agriculture biologique, c'est donc un concept qui surévalue largement ses bénéfices en termes d'environnement et de santé publique. La vraie pratique biologique exclut tout traitement, que ce soit à base de substances minérales ou de synthèse, et ceci sans se fier du tout aux réglementations ou autorisations délivrées par un gouvernement à la solde des géants de l'agrochimie. Les plantes apprécient modérément les pulvérisations de cuivre. Le cuivre vient durcir les cellules superficielles des feuilles et les stomates, qui sont en charge donc des échanges gazeux entre la plante et l'air ambiant, ces stomates fonctionnent beaucoup moins bien. Alors c'est pour notre sol que le cuivre et la bouillie bordelaise donc posent vraiment problème, puisque ce produit finit par se retrouver dans le sol et l'action fongicide continue de s'exercer au niveau de notre sol, ce qui pose vraiment des problèmes au niveau des champignons dont nous avons besoin dans notre sol vivant. En plus de ça, le cuivre en excès tue les vers de terre dont on essaie par ailleurs d'encourager le développement et la multiplication, quoi.
Il faut aussi savoir que le cuivre n'est pas biodégradable et s'accumule dans le sol car il n'est pas facilement lessivable non plus. Notons aussi une toxicité du cuivre pour les oiseaux, les petits mammifères et les insectes, dont les abeilles bien entendu. Si vous tenez à utiliser de la bouillie bordelaise, employez-la préventivement car son effet curatif est très faible, limitant à peine le développement du champignon. Il vaut mieux donc fractionner les traitements en sous-dosant, pourquoi pas, et en utilisant un mouillant comme par exemple le savon noir pour assurer une meilleure adhérence au feuillage. Alors heureusement, il existe des alternatives à la bouillie bordelaise aujourd'hui. Il y a des formulations modernes d'hydroxyde de cuivre, par exemple, qui tiennent mieux sur les feuilles, résistent mieux à la pluie et qui vont mieux se dégrader dans le sol, être moins rémanents dans le sol. Si vous tenez à employer absolument des produits de synthèse, si vous n'avez confiance qu'en la chimie, eh bien vous avez les produits contenant du phosphétylaluminium, par exemple, tel que le célèbre Aliette, qui va se dégrader beaucoup mieux dans le sol quand même et qui se révèle être beaucoup moins toxique pour les organismes aquatiques d'abord, mais également pour les petits mammifères, les insectes, dont les abeilles. Donc c'est quand même, disons, une alternative qui peut être intéressante si vous, encore une fois, si vous tenez à rester du côté des produits chimiques, hein, pesticides classiques. Au rayon des solutions biologiques, on va trouver par exemple le purin d'ortie, le purin de prêle ou encore le purin de consoude également, le bicarbonate de soude, ça marche très bien, ou de potassium additionné de savon noir toujours. En augmentant en fait le pH à la surface des feuilles, ces bicarbonates inhiberaient a priori le développement des spores du champignon. Bon. Les bicarbonates ne sont pas des produits fongicides, mais plutôt fongistatiques. Hein, c'est comme ça qu'on va les appeler. Essayez également peut-être l'huile essentielle de romarin, ça peut donner de bons résultats. Hein. Étant bien entendu que je n'ai jamais moi testé ces solutions-là, puisque je n'ai encore pas planté une seule tomate hein, dans notre potager, on est bien d'accord. Hein. Bon, je travaille quand même avec des produits phyto depuis un peu plus de 30 ans maintenant, c'est quelque chose que je connais bien. Les solutions naturelles, je les connais un petit peu moins bien. Enfin, en toutes circonstances, les mesures prophylactiques sont les bienvenues, bien sûr. Arroser au pied des plantes, éviter d'arroser le feuillage, éliminer les plants infestés sans regret. Hein, vous les arrachez et vous les éloignez, vous ne les mettez pas dans le compost. Je ne suis pas très sûr que le champignon ne se conserve pas. D'aucuns vous diront que ça ne pose pas de problème, surtout dans le cas particulier du mildiou. Bon, on va pas faire l'économie d'un peu de verdure pour le composteur. N'hésitez pas à éliminer, c'est peut-être plus sûr quand même, quoi. Voilà donc pour partager avec vous mon avis sur la bouillie bordelaise que nous n'utiliserons donc pas sur notre potager, très clairement. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt au potager qui dit non.